ça passé hier soir, aux environs de 11h, et gagnait une série de monde qui viennent tirer sur la radio. Et ils font une première attaque, d'après l'information que je joue, puisque je n'ai pas de domaine dans la radio. Et ils allaient et retournaient dans la matinée. Et nous sommes capables de voir l'impact de Balio sur plusieurs côtés dans le bâtiment. Et également retiré sur le transformateur radio. L'impact de Balio tellement fait des dégâts. Ils ont même arrivé à atteindre la salle des nouvelles là. Et bien, pas de réception qui reçoit en pile cartouche. Et Balio même arrivé dans la salle d'attente, côté que nous recevons des invités, c'est toutefois que gain émission. Pour y'a participer. Donc, nous avons dit que, en gros, c'est ça. Et, bon, y'a tiré tout dans l'inverteur, dans la batterie inverteur radio. Hein. Donc, c'est vraiment un constat à la main. Et puisque nous connaissons que RCH 2000, bon, c'est radio tout le monde parle. Et déjà, le travail que nous avons fait au niveau des radios, hein, son travail professionnel, et nous pas dans parti pris. Donc, qui ont été membres pouvoir ou gain droit dans RCH 2000, que on est en opposition, c'est toujours le même traitement en ce qui concerne les informations. Bon, nous pas comprendre ça arrivé là et nous pas dire c'est X ou bien c'est Y qui fait, mais au niveau de direction radio, direction information radio, nous déplorer ça arrivé. Mais Dieu soit loué, pas gain victime côté humain. Donc c'est ça ta plus grave là, pas gain victime côté humain, même baba nous mati monsieur hier soir d'après information et d'après ça nous ouais là tout. Négio vraiment saccagé radio Bakatouche. D'habitude, et moi-même avec deux autres confrères dans la radio, nous animons l'émission Brasser l'idée sur la radio, et qui commence à 8h, qui finit à 10h. Mais l'été, environ 11h, minuit, lorsque, bon, à partir avant ça, depuis 10h, il y a un pile de détonation à la radio, un pile cartouche t'a tiré. Mais nous sommes là, nous sommes mis à couvert. Mais nous avons subi, la radio a atteint le premier projectile aussi aux environs de 11h30 minuit, lorsque il y a des cartouches qui sont faites dans la zone et sud radio, côté, et nous avons gagné la lumière, lumière qui éclairait le parking radio à atteindre. Mais à part ça, après la première attaque, côté il y a un premier vide et dans la réception qui est écrasée, nous avons pris un pile gaz lacrymogène aux environs de 2h du matin. 2h du matin, il y a un pile gaz lacrymogène qui était lancé dans la zone radio, mais puisque nous tous dans la radio, nous sommes retenus, nous pas de sortir, nous pas de cadeau dans la zone radio, mais pour nous protéger, nous sommes tous dirigés vers la mise en radio, côté qui est hermétiquement fermé, côté gaz n'a pas de transverser ou encore pas d'attaquer nous. Mais lorsque nous arrivons à la zone 4h du matin, 4h30 du matin, et qu'on voit qui a déblayé la rue, vient finalement arriver devant la radio. C'est dans le moment où nous devant la radio, c'est là que nous tendons, détonation qui vient recommencer pour la plus belle, et nous sentir le bâtiment, l'IAP, et la frapper par des projectiles. Et nous étions dans la salle d'attente, côté nous mettons un peu à couvert, mais lorsque nous remarquons qu'il y a un projectile qui perce la salle nouvelle, là, qui sorti dans la salle d'attente, qui a frappé dans la télévision. Et d'habitude, nous toujours chita là pour nous capables et pour recevoir une vidéo. Là, nous avons senti l'attaque là, l'été difficile. Et c'est dans ce moment-là, nous tous sommes allés dans la seule direction pour nous protéger tête nous. Et quand tout chaud, nous avons fait plus de 30 minutes d'horloge, nous avons tiré dans la zone. Et nous sommes capables de constater, Jean-Directeur d'information radio a expliqué ça, comment radio a frappé les victimes. Mais, et moi-même, peut-être principalement, je ne suis pas étonné, je ne suis pas nécessaire tout parce que monsieur nous connaît. Et dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe situation, les gens qui sont là, ça peut arriver, peut-être par accident ou par cible, mais ça n'a pas intimidé nous. Peut-être le travail nous a toujours été les mêmes gens, c'est un travail professionnel, été et fait équilibre dans tout ça. Mais sauf que c'est grave et c'est Dieu qui s'est arrivé. À la minute où nous t'étendons, il y a des médias qui te disent qu'ils ont subi menace. Et tout finalement, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes victimes réelles de lui. Ça, c'est grâce à déplorer. Et bien que Amnesty International soutienne une note avant hier, pas plus qu'hier, pour dénoncer les situations où les journalistes ont fonctionné en Haïti. Et nous sommes victimes, ça, c'est vraiment grave et triste. Martino Mondésir, je suis reporter et animateur émission Brasser l'idée dans RCH 2000.